Hello, Bonjour, je suis I'm Stéphane. Je Stéphane, vais vous and présenter tonight I'm going to show ce you a soir recipe for une a recette shepherd's de pie made parmentier de with duck, canard. which is Une called recette a qui parmentier de est canard. très facile à This is réaliser, a recipe qui ne that's demande pas very beaucoup easy to d'attention, do, pas beaucoup de doesn't surveillance, require too et much qu'on peut checking up faire on it à l'improviste while it quand cooks, des amis restent and you là can make it very quickly ou before sont the pressés. guests arrive. La So the première chose, first toujours thing you'll avoir need a une boîte can of de duck confit confit, de canard, des which cuisses, is duck par thighs deux, or drumsticks preserved in trois, fat, preferably the sinon thighs, par maybe two plus, or quatre, three. cinq ou six. Or 4, 5, or 6 if you find a larger can. Ça mange pas de pain. Le jour où And vous if you trouvez une can petite find it on promotion, sale, I vous laissez recommend ça au to grab CD a few since it et conserves c'est really parfait. well. Alors nous sommes deux ce Now I'm soir. making mine Je vais tonight faire with two avec duck une thighs boîte de since deux there's only cuisses, two of us. des pommes de So terre, potatoes, de l'ail, une garlic, goutte d'huile d'olive olive et oil, éventuellement un petit and a peu de little lait milk, et une and salade pour maybe a décorer. salad for Voilà les decoration. ingrédients. And that's all you'll Alors need on for commence par faire les ingredients. pommes de terre. We'll Alors start les pommes with de our terre, on les potatoes, choisit which we're going to comme choose by their d'habitude, toutes à peu size. près de la même Now they taille should all pour be qu'elles about puissent the same cuire de la même size so that they façon all cook at the same et rate. qu'elles arrivent au terme de la cuisson en même temps. Two, Deux, three, trois, four quatre pommes de potatoes terre per par personne, de person. préférence des I like bunches. Ce using matin, bunch j'en ai pas trouvé, potatoes, donc but I couldn't je find n'étais pas any des this bunches. morning. Voilà. Et And on we'll throw plonge them into dans l'eau cold water, froide, always. toujours. And Et cook on them lance for une about cuisson 20 pour 20 minutes. minutes, à peu près. Voilà. And we'll put the On lid peut on couvrir au until the début, water après on boils. découvre, dès que l'eau commence à chanter. And we Et toujours à always froid. begin with Alors une cold petite water. A astuce, little on part du principe que tous les side légumes note. blancs Now, almost all white doivent être mis vegetables dans de should, l'eau by principle, froide dans start la in cold casserole, water et that is ensuite then on brought porte to a le boil. feu sous la casserole. Les Most légumes green de vegetables couleur, or other vegetables of color, généralement like verts, typiquement les zucchini or green haricots beans, ou les are courgettes, on cooked les cuit à what's l'anglaise, called c'est-à-dire qu'on les English jette dans style. de l'eau And that bouillante. is, we throw them directly Voilà, into already petite boiling astuce. water. Blanc, départ à So, froid, white, vert, cold départ à start, l'anglaise. green, hot start. Ensuite, on va dégraisser Then le we'll canard. cut the fat off of our duck. Alors, So it takes a little c'est while, fastidieux. but that's how it goes. Voilà. Oops, I'm a little J'ai off. dérapé. Voilà. Un couteau d'office. Alors, la méthode est Now, so it's a relativement simple, hein. Pour relatively dégraisser simple le method to canard, get the fat off the duck. il suffit All de you have to sortir do is take the les cuisses ou les thigh, manchons, or puisqu'on the peut faire avec les drumstick, you manchons, can hein, use peu either, importe, out of de the la can, boîte et on le pose and we'll place the meat côté side chair. down. Je vais prendre une fourchette aussi. I'll get a fork too. And Et we'll on le pose place the côté meat chair dans side un down plat, like this donc in the côté pot vers le dish, haut, or pan. dans un plat. Et donc Ooh, on est gâté, là il y a there's trois three in this morceaux. can. Hop. Now you have Faut to enlever take le out plus the gros, biggest tout de one, of même. course. Voilà. Ensuite, on Next, glisse le plat we're going dans le to four, put the dish in the avec oven. un four And pas now, not fort, too hein. hot, Là, maybe on est à 140 only degrés. L'ensemble de la graisse 250 va to fondre, 60 degrees descendre dans Fahrenheit. le plat, And et le all the manchon de fat is going canard to ou melt to the les cuisses bottom de of the canard pan, seront dégraissées. and your wing or your thigh of duck Très will be simplement. defatted. Very easy, 5, 5 or 6 6 minutes minutes. à peu près, Now hein. check on Faut it voir and le remember bûcher, not c'est too pas hot. à And you température can either ambiante sop ou up the avec un fat sopalin, with a ça paper fonctionne aussi. towel or save it if you Moi, je want. préfère le four Delicious. qui est plus fidèle. Je dirais que le Now, résultat if you don't defat the est duck, égal. then your dish is Le going to risque, sinon, be c'est d'obtenir way too fatty. une préparation trop grasse. Voilà. Et bien maintenant, And now we just il have n'y a to plus wait qu'à for our attendre que les pommes de terre potatoes and the cuisent duck et to que le defat. canard se dégraisse. Ok. So 19 19 minutes minutes plus later, tard, the les pommes potatoes de are terre sont done. cuites. At least I think. Je le I'll give them a pense, je little les poke. pique. Yes, they're C'est parfait. perfect. On va les So sortir we'll de l'eau take them out of the chaude hot avec une water with a écumoire. colander. On peut le faire You can also au-dessus do de l'évier, this bien over the sûr. sink too. Il n'y a pas toutes les solutions sont bonnes. On va attendre qu'elles refroidissent un tout petit peu pour And pouvoir then les we'll let peler them sans se cool a brûler. little before peeling them, otherwise we'd burn ourselves. Et ensuite, on va faire ce And qu'on next appelle we're un going to mash mash de them. pommes de terre. C'est une sorte de purée And we want our mash to très be a little nature, et je chunky. dirais même grossière, en réalité. Voilà. Oh! Ça, je I don't n'en ai need that plus anymore. besoin.
Pendant que mes now, pommes while my potatoes cool, on va pouvoir I can now take the duck out of the oven and take out the bones. Finir de le dégraisser. Finish getting the fat off and take out the bones. Voilà. Donc, and as I said before, all the fat is melted off. Et les pièces sont dégraissées. And the thighs are ready. No more fat. Je vais le réserver I'll dans set une. Set them aside in a little dish. Voilà. Ooh, a little hot. A little hot. Alors le confit a la particularité de se détacher très vite. C'est pour ça que ça va. And that's why this recipe is so simple and so fast. We don't have to fight with the duck meat for 25 minutes to get the bones out of the skin or to get the skin off. Voilà. Okay, we have to get the fingers in there. Comme on l'a beaucoup entendu, c'est pas grave. But it has less fat than before. Voilà. Oh, beautiful pieces of duck. Des superbes morceaux sur cette cuisse. Alors, hop, hop, j'ai fait l'inverse. Okay. Continue. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Voilà. Hop, hop. Et hop. Trois morceaux. Three pieces. On répète and we repeat the process three times. Ouh, this one's a little hot. Il y a des now there are recipes that suggest you can do this step in the microwave. But I am totally against it. Parce que là c'était une because this method uses very little heat that melts very slowly the fat off the thighs. Now, it is possible with the microwave, but it's just not the same. Voilà. Oh, the phone's ringing. I think it's my son who's wondering what's for dinner tonight. No. Voilà. Oh, this one's superb. Donc, j'en profite pour l'émietter un petit peu au passage aussi. Voilà. On dégage les petits canaux, les nerfs. So we need to cut off the veins or the little nerves. Tous les petits morceaux qui sont moins nobles. Hein, like here, like take a look at these pieces here. They're just not very presentable. Des morceaux qui sont pas terribles, au moins à la vue, hein, même si c'est très bon. On peut se permettre so we do need to get rid of them. Voilà. Ultime vérification. And last check. J'avais oublié I forgot morceaux-là. A few pieces. Et voilà. Et and ça, that's for the cat. Oh. Hop. Hop. Alors. Dans l'évier. La solution la plus facile d'ailleurs pour le. Okay, so the easiest way to clean this is to recongeal the duck, sur le balcon. Which is very easy to do in winter. Just set them outside the window, and problem solved. Bien voilà, bah attendons que les pommes de terre. So we're still waiting for the potatoes to be cool enough to peel, and then we'll go from there. So 8 minutes later, the potatoes are not entirely cold, but we'll make do. On se contentera de ça. So we peel them, very easy. Enfin, le plus simplement du monde. Not much to explain. D'ailleurs. Voilà. Hey, c'est un ooh, peu a little hot. Encore. C'est a little hot. I think I'll use fourchette. A fork. Voilà. Alors, dans la constitution du mash. So for the mash, de laisser la peau quand I love to use un mélange de reblochon mash et de cheese.
par exemple, which au, is au a very strong cheese that marries Mais well with potatoes, actually. Sur, and it's wonderful, especially in the middle of winter. Je pèle les pommes de terre. And most times, I wouldn't bother to peel the potatoes. C'est tout de même un plat d'automne et d'hiver. Hein. But with duck, I think it's more presentable to peel the potatoes. Le reconnaître. And this is a perfect dish for winter. Well, it depends on where you live, of course. Bien le souvenir d'un Now I have memories of a cassoulet, which is a beans and sausage dish served hot. In the middle of August at Carcassonne, in the south of France, it was not very fun at all. La pomme de terre, c'est un légume. Now the potato is not a very beautiful vegetable. Très, très bonne it doesn't have the best reputation. Mais mon Dieu, que c'est bon. But, que c'est un petit peu accompagné, but my God, is it good when it accompanies the right dish? C'est beau et bon. And then it becomes beautiful and delicious. À part la grenaille de Noirmoutier, mais ou la rade de Valensole, mais c'est bon, c'est des pommes de terre un petit peu particulières. Voilà. Ah, la peau vient bien. La forme est. The form of this one is nearly perfect. Quand c'est des binges, on tombe With binge sur les potatoes, formes, you can get weird forms. Là, These were probably machine, recalibrated by a machine. Voilà. Alors, je vais utiliser tout à l'heure un appareil. Now, so I'm going to use a masher with my potatoes, but it's not necessary at all in the recipe. Now, you can use a fork or a knife or a spoon, or even your fingers and your hands if the potatoes aren't too hot. À main nue, donc. Now, if the potatoes are too hot, I don't recommend using your hands. Hop là. Allez, plus qu'une pomme de terre. Et on y est. Hop. I waited 8 minutes, but maybe I should have waited longer. Wow! Ok, voilà. Done. L'opération est terminée. Alors, so I'll clean the cutting board. Et And my hands. Main. Bon, alors, pour la réalisation du okay. match, so for mashing the potatoes, I already mentioned the wonderful tool that, if you have a lot of potatoes to mash, is a perfect solution. Un plat rempli jusque à ras-bord. Bon, là, But il y a 6 pommes de here terre, we only have 7 potatoes, so you can use a spoon. On aurait pu le faire avec une cuillère. Bon, j'ai l'appareil. Alors, so, le mash, for mashed potatoes, I like a little salt and pepper, which are the necessary spices for any meal. On ajuste au final, mais ça permet d'avoir and un bon mélange. And just a little olive oil, too, just Moi, a drop. Moi, je mets une goutte d'huile d'olive. Just a little drop. Tac. Et and a very tiny bit of milk. Et je ne mets pas plus de gras que ça. And I don't like using any more fatty substances than that because now when we finish with our shepherd's pie, the duck fat will be absorbed by our mashed potatoes. So we really don't need to add any more fat to this recipe at all. Parce que c'est presque une hérésie. Now you'd end up with a really fatty, really, really heavy meal. Qui serait beaucoup trop lourd, alors que là, c'est pas grave, le confit. Bon, c'est un ustensile qui écrase la pomme de terre. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'était une façon and I like grossière. This masher because it leaves a lot of chunks of potato. Le mash n'est pas une purée. We're not pureeing our potatoes. Qui doit être onctueuse et très 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 délicate au palais. Là, Now this is why using a fork or a knife, or even your fingers, you can get the same result of a mash with still chunks of potato. Voilà. So, le the potatoes are ready, le canard est the duck prêt. Is ready, et and we can on now choose our serving dish. Alors, il y a plusieurs now solutions, you have soit two un options, plat, either a big dish or a larger pie, peu, alors, if you have a lot of guests, nombreux, on peut le faire en familial, and then you'd on cut it up après, just before serving, en parts égales. On peut you le faire, can make a pie exemple, for two personnes. People, very simply, either in one dish or
the last option to make l'individuel. A lot of individual pies for however many people you're serving. On démoulera au final ou qu'on peut servir, qu'on peut présenter dans une assiette en, comme une cassolette en individuel. Voilà. So, donc je disais, I repeat again, there's no need to butter the dish. Pas de matière grasse dans, dans les plats. Et là, on émiette and une we'll deuxième prepare fois le again our duck. Alors, il faut vraiment. And this vraiment time, you really need to pull apart the fibers of the c'est, meat. C'est ce qui va rendre le. This is what's going to make our dish more more delicate on the palate. Ça le rend plus fin. Alors, une so a good layer canard. Of duck. Tac tac. Et and a layer of potatoes. Alors la première, on okay, the first, we don't need to put a lot in. Voilà. Hop là. Et une deuxième and couche a second layer of duck. Voilà. Alors sur le canard. Okay, so there's no need to salt the duck since we salted the potatoes. Là, ce qu'on peut faire, but we can pepper the duck again. Poivre, par exemple. Délicatement. Mais resaler un magret, c'est souvent, now, a duck confit is already pretty salty. Une hérésie parce que c'est déjà très salé. I don't know if you've remarked, si vous avez remarqué, but it does make you thirsty. Soif. C'est un peu ambiance troisième mi-temps. So, quoi. Il faut, so don't add salt. Faut esponger. Et and voilà, the last la layer. Hop là. And now this one we're going to try and make it a little prettier, a little more even. Comme ça, le convive ne that way your guests can't guess what's underneath. Voilà. Tac. Ça peut but it doesn't have to be ça, perfect, le, of course. Shepherd's pie, or sometimes si called cottage pie, pour un is very rustic. C'est toute la subtilité du mâche. It comes from the agricultural population. Voilà. Sortir de d'un cul de poule avec un coup de cuillère à mâche. Alors voilà. Okay, voilà, so the first one is done. On to the second. La deuxième. Rebelote. Okay, I'm going a little fast this time. Voilà. Layer of duck. Layer of potato. Hop là. Allez. Okay, and another layer of duck. Bien émietté, hein. And really in small pieces. Voilà, 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 voilà. Alors, je n'ai pas pu le faire so ce soir. So I couldn't use them tonight, since it's not soir. The season. Mais en période automnale, but mushrooms. Des champignons. Oh, mushrooms. En passant chez le marchand, vous achetez quelques pleurotes. Pas beaucoup, 3-4 pleurotes. Hein. And not too many. Vous sautez dans un petit peu d'huile d'olive. But dans you une saute poêle, them. Et vous and layer them between the duck and the potatoes. C'est une petite couche de pleurotes entre la pomme de terre et le canard. Bon, alors je peux pas so le faire I can't là, even show you tonight là, because there just aren't any at this time of year. Mais c'est le petit but bonus. It's really a wonderful bonus plus. To this recipe. Surtout quand on fait le plat deux fois especially dans if you make this dish several times a year. Puis la deuxième fois, bonus. It's just a bonus. That's what's magical about cooking. C'est there's surprises surprise all the time. Tout le temps. J'ai pas salé, I didn't pas salt poivré. Or pepper. I forgot. Alors, je I'm not going to take apart my dish. Ce que je vais faire, c'est que je le mangerai. But I'm going to eat it. Et pour le reconnaître. And so I'll mark it as mine. Et ben, je lui mets une petite marque. Voilà, little piece of duck coming out. Au moment où je le sortirai du four, pas vu, pas pris, je sais that que c'est celui-là. That way you know it's mine. Et ben, je me le cognerai. Ce sera bon quand même. Je so I'll wash my hands. Allez, un petit coup sur le pare-brise. So it's ready.
Il n'y a plus qu'à all enfourner. We have to do is cook it. Dans le four. So oven, 140, about 300, 275, 300 degrés Fahrenheit. La for 20 minutes. Pomper le gras du canard, so the potatoes will soak up the fat, au final, and they'll be creamy and delicious. Dessus. And then at the end, turn your oven on to broil to brown the top of the pie. And maybe a small salad as a side dish. Voilà. And the music. Alors, c'est pas encore of bon appétit, je vais le and not quite bon appétit yet. Et puis, on I va still have to cook my shepherd's pie. Enfin, on va laisser le... I haven't even preheated my oven yet. Les confits. I'll just let everything chauffer. Heat up. The confit. It'll be at about 275, 280 degrees Fahrenheit. See you in a little bit. 20 minutes ont passé. So 20 minutes later. Nous allons contrôler. We're going to check and look. Et voilà le travail. And look at our hard work. En voilà there's un, the one, le deuxième, there's the two. Il est là. Ils sont gratinés puisque j'ai mis un petit peu de grille so sur le final. So I put a little tiny bit of cheese on them, and they've browned on top because I broiled them at the very end too. Voilà, légèrement gratinés. Je l'ai laissé dans now la cassolette, on peut le démouler à l'envers. Dish, la partie gratinée est, assez, like est plutôt plaisante. Et je propose de le servir especially the top, de façon and I propose to serve them simple, just like this. Une salade, une feuille the de chêne salad on the side. Tac, tac. There voilà. We go. Hop là. Oups. I lost a leaf. Une feuille. C'est facile. Easy. It's not too pas expensive. Ça mange pas de pain. And it's delicious. Bon appétit. Bon appétit.